vos rédactions de cette semaine, je ne suis pas prêt de les oublier. C'était pourtant un sujet facile. Le métier que je ferai quand je serai grande, on ne peut pas imaginer plus simple. Eh bien, c'est le championnat de France des âneries. Je prends au hasard Fleury. Fleury veut être médecin. J'espère devenir un grand savant comme Pasteur qui a inventé la rage, la variole et l'asphyxie. Poplin. Ah, Poplin. Poplin, lui, son rêve, c'est d'être explorateur en Australie où les kangourous ont une poche sur le ventre pour se cacher en cas de danger. Ça, c'est curieux. Hein? Hmm? Et encore s'il n'y avait que des âneries, mais il y a l'orthographe. Tiens, Levasseur. Toi qui veux être pilote d'avion à rédaction. Mais commence donc par soigner les tiennes. Il y a des verbes où tu fais trois fautes à la fois, hein, encore. Et tu ne sais pas que les mots en al font o au pluriel. Un cheval, des chevaux, ça ne te dit rien. Si, monsieur. On dit chevaux quand on parle de plusieurs chevals. Et si tu crois qu'un aviateur ne doit pas savoir l'orthographe, tu te trompes. Monsieur Baudrier, monsieur l'inspecteur. Bonjour, monsieur Baudrier. Monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur nous rend visite à l'improviste. Asseyez-vous, mes enfants. J'interrogerai quelques élèves au hasard. J'ai tenu à vous présenter l'une de nos bonnes classes. Très bien. Monsieur le directeur est trop indulgent. Si, si, c'est l'une de nos classes dont je suis le plus. Et puis celle-là, au moins, n'est pas surchargée. Il m'en manque 12. Si vous permettez, je vais lui poser une ou deux questions. Bon, avec plaisir, monsieur l'inspecteur. Voyons, mon ami, vous avez déjà fait un peu de géométrie. Comment appelle-t-on une figure à quatre côtés? Un quad, un quad. Un quadrupède. Vous en êtes sûr? Tu voulais dire un quadrilatère. Un quad, monsieur? Vous désirez peut-être entendre un autre élève, monsieur l'inspecteur? Non, du tout, je vais lui laisser sa chance. Et une figure à huit côtés, ça s'appelle? Ne te trouble pas, Levasseur. Une figure à huit côtés. Octo. Octo. Octogénaire? Silence! Nous ne sommes pas au cirque, Levasseur. Va donc rire tout seul dans la cour. Il est peut-être souffrant, lui aussi. Eh bien, nous allons interroger un de ses camarades. Venez, choisissez vous-même. Oh, vous savez, monsieur l'inspecteur... Si, choisissez un de vos élèves. Dans la bonne moyenne. Ouais. Où en êtes-vous en histoire? La guerre de 100 ans. Bon, alors parlez-nous un peu de Jeanne d'Arc. Qu'a-t-elle fait lors de son départ en campagne? Elle est partie à la Nouvelle-Orléans pour délivrer Reims. Et pourquoi? Parce qu'elle voulait être pucelle. Elle voulait surtout délivrer la France. Et après Orléans, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris feu. Silence! Assieds-toi. Mieux sa vie dans l'enseignement. Je dois rejoindre ma classe. Mes respects, monsieur l'inspecteur. Au revoir, monsieur Baudrier. Merci, mon ami.